Salut les gamers, c'est la Zombie Factory et on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur du GTA V. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous montrer comment obtenir le Rhino Tank gratuitement. Donc pour ce faire, il va falloir vous rendre près de la base militaire, le long de la côte. Tout à fait, donc la base militaire, en fait, vous ne la verrez pas sur la map, sauf si vous approchez vraiment de celle-ci. Donc vous voyez, il faut passer le pont, et une fois passé le pont, elle s'affichera sur la map. Donc une fois cela fait, il vous suffira simplement de contourner cette base par la droite, donc dans les montagnes, vous prenez les petits chemins de terre. On va couper un petit peu le montage parce que c'est vraiment long, puis on n'a pas vraiment de choses à dire là-dessus. Donc voilà, il suffit simplement de vous arrêter à cet endroit-là. Vous avez une vue sur les réservoirs d'eau et de tirer donc 2 balles sur les chars. Ne tirez pas 3 balles, vous aurez 3 étoiles et il y aura les hélicoptères. Il suffit simplement de tirer 2 balles sur les chars. Et un autre petit conseil, ne faites pas comme Yoda, ne garez pas votre véhicule juste à proximité, sinon vous allez vous le faire cramer. Voilà, ils m'ont défoncé ma voiture. Et donc voilà, maintenant il va falloir simplement attendre que les étoiles disparaissent. Voilà. Donc c'est vraiment une astuce pour avoir le char gratuitement parce que le char, on le rappelle, il faut être niveau 70 pour le débloquer et il coûte 1,5 million. Voilà, il vous faudra simplement un sniper pour tirer les 2 balles et voilà, tout simplement. Donc là, on va attendre un petit peu que l'indice de recherche disparaisse. Donc on peut appeler les stores également pour le faire disparaître. On peut appeler les stores pour le faire disparaître. Je ne l'ai pas fait là sur le gameplay, mais vous pouvez appeler les stores aussi. Et heureusement que tu repars avec un char parce que je te dis, tu repartiras à pied là. Ah, je partais à pied, ouais. Et là, j'aurais trouvé un autre moyen, j'aurais pris un hélico. Donc voilà, on attend un petit peu et après tu vas pouvoir redescendre. Ouais. Donc vous pouvez voir sur le radar que les... Bon, en fait, les chars se calent en bas de la montagne, voilà. Donc voilà, là, ça s'est effacé. Donc là, tu vas descendre de manière très gracieuse. Tel un véritable escaladeur. Voilà, donc, et voilà, la gamelle. Et donc tu vas pouvoir prendre ton tank. Alors je crois que tu vas avoir un petit peu d'indice de recherche, le temps de sortir le conducteur du tank, mais ça te laisse juste le temps de monter dedans. Tout à fait, donc en fait vous faites juste triangle à côté du tank, ils vont me commencer à me tirer dessus, mais bon, j'aurais sorti le pilote avant et je vais rentrer dedans. Et voilà, filez à l'anglaise avec votre petit char et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous êtes quasiment invincible, enfin le char il a une durée de vie quand même, mais vous êtes quasiment invincible là-dedans, vous prenez aucun dégât de vie, enfin vous perdez aucun point de vie, pardon, et voilà. Voilà, on vous souhaite de bien vous amuser avec ce tank, et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde.